fleurs sont toutes différentes. Hein. Elles sont faites avec une espèce d'élan, donc relativement spontanément. Elles sont toutes différentes et j'utilise des terres différentes aussi, soit des terres assez lisses, soit des terres chamottées, donc avec du grain qu'on retrouve dans les... On sent le grain de la chamotte. Là par contre, on a une fleur extrêmement lisse avec une terre très, très douce. Il y a des terres blanches, il y a des terres rouges, il y a des terres noires. Des terres cuites rouges, toutes simples, hein, qui ne sont pas émaillées, justement, par contraste. Des terres plus naturelles. Et puis, cet été, j'ai eu l'occasion de voir des gens qui travaillent des terres avec d'autres sortes de craquelures, où là on a l'impression que c'est de la poudre. C'est effectivement de la poudre de terre rouge, mais comme elle a été cuite à haute température, elle fait partie de la terre noire maintenant. Donc je trouve que c'était assez intéressant ensemble, voilà, d'avoir quelque chose qui soit un peu moins riche que des émaux systématiquement. Mm-hmm. Voilà, de voir d'où on part en fait finalement. Je voulais pas que ça soit une fleur, je voulais que ça soit un espèce de. Un archétype de fleur. Bon, si on a envie de dire que ce sont des coquelicots, mais c'est pas obligatoirement des coquelicots, c'est une fleur. C'est une fleur et voilà, c'est l'idée de la fleur. C'est pas une tulipe, une rose. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi avec les fleurs, c'est. Leur pouvoir, je dirais, symbolique, poétique. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et quand j'avais commencé à faire ce travail, j'étais en rapport avec un collectif d'artistes qui s'intéressait à une tribu en Équateur qui s'appelle Sarayaku. Et sur leur territoire, il y a beaucoup de recherches pétrolières. Et donc, ça veut dire beaucoup de déforestation, beaucoup de recherche dans les sous-sols. Tout ça, évidemment, sans leur accord. Donc, ils ont fini par aller négocier avec le gouvernement et ils ont obtenu qu'a priori, on leur demande leur accord sur les territoires qui seraient investigués et sur lesquels il y aurait des recherches pour le pétrole. Mais ils ont quand même fait quelque chose pour être sûr, puisque généralement ça se repère par avion, ces concessions pétrolières. Et donc ils ont installé aux endroits où ils vivent ce qu'ils appellent des clairières de fleurs. C'est-à-dire qu'ils ont planté des arbres qui sont des arbres à fleurs. Et leur idée, c'est que si on survole, on verra que ça correspond à des clairières qui sont habitées et donc on ne brûlera pas. Voilà, je trouvais que c'était beau l'idée de protéger leur territoire et de protéger la forêt grâce aux fleurs. Je gonfle un peu la terre et je lui donne des formes, c'est avec une technique de modelage finalement, de cette plaque. Et puis pour maintenir les mouvements, je maintiens avec du papier journal qui finalement permet de garder les mouvements et de donner... Alors, quelquefois, en gonflant la terre, elle se déchire. Et ça, c'est quelque chose que je laisse toujours parce que pousser la terre à sa résistance maximum. J'aime bien aussi que la terre soit assez fine. Donc, j'affine les bords. Et puis ça peut lui donner un côté un peu plus brut, un peu plus déchiré, comme certains pétales de coquelicot. C'est vraiment au feeling, voilà, toutes les fois c'est différent. Ça ne m'intéresse absolument pas de faire des choses parfaites, je veux des choses qui aient une énergie vitale. En réalité, les fleurs, elles sont plus intéressantes plantées comme ça avec une installation ou en masse et tout ça. C'est pas bon, chaque fleur, bien sûr, fait l'objet d'un travail de recherche pour les émaux, pour les choses. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'espèce de côté un peu libre, un peu fou qu'elles peuvent avoir quand elles sont installées ensemble.